Là, il y en a parmi vous, vous jouez peut-être à 360 FPS si vous êtes chanceux. Ou alors 120 sur PS5 ou sur Next Gen. Il y en a certains qui jouent aussi à 60 si c'est encore sur PS4 ou Xbox. Sans oublier les Switch à 30 FPS. Mais là, aujourd'hui, je vous le dis, on va tester une plateforme spéciale. On va tenter de jouer sur micro-ondes. En vérité, on va plutôt tester Fortnite avec 1 FPS. Le but de la vidéo est simple, tester et se mettre dans la peau de toutes les plateformes en une seule vidéo. Petit conseil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous le dis jamais. Mais là, il y a une surprise à la fin, vous êtes pas prêts. Je vous le dis, il y a personne qui peut deviner ce que c'est. Le seul indice que je peux vous donner, c'est beaucoup parmi vous l'attendent depuis longtemps. Voilà. Comme d'hab, pensez bien à vous abonner, c'est super important. On emporte des 700 000 maintenant. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous. Et moi, je vous laisse profiter de la vidéo. Ok, du coup, c'est bon, on est en créatif. Là, comme vous pouvez le voir, je suis en FPS illimité. Regardez, là, on a quand même pas mal de paliers. On a notamment 360, 240. Ça, c'est le taux de rafraîchissement de mon écran. Donc, je pourrais me bloquer en 240 normalement. 200, 180, 165, 160, 144, 120, 60 et 30. Pour aller en dessous de 30, on modifiera les fichiers du jeu. On pourra aller jusqu'à 1 FPS. Et ça, ça sera pour la fin. Moi, ce que je vous propose directement, c'est de commencer à 240. On va faire un peu de solo build, etc. jusqu'à 120. 120, faut bien se dire que c'est le cap des PS5 et des consoles next-gen. Ensuite, 60, c'est les PS4, 30 c'est les Switch et en dessous c'est les micro-ondes. Un FPS, je connais rien qui a un FPS à peine. Bref, on va déjà voir si on ressent une différence de 240 à 120. On va charger une petite map. Sinon, le monteur, toi, comment tu vas? Est-ce que t'as passé un bon week-end? Tu sais quoi, aujourd'hui, je vais pas te tacler. J'espère que ça s'est bien passé, que tout va bien. Voilà, la map est chargée. On va commencer par faire quelques 90. Alors là, normalement, je vais ressentir aucune différence vu que je suis en 240 FPS et que mon écran peut afficher 240 FPS. Mais c'est juste pour me rappeler un petit peu de la fluidité que c'est comme ça. Bon, jugez pas mon niveau, les gars, ça. Ok, pour l'instant, ça va. Ah, c'est quand même pas mal fluide Fortnite, hein. C'était comment? Tac, regardez, vous êtes prêts ou pas? On verra si je suis capable de faire ça plus tard. Bon, on recommence. Le monteur, tu coupes. Les gars, regardez ce que je sais faire là. Eh, vas-y, coupe cette séquence, c'est bon. Bref, on va baisser. 200, ça sert à rien. On va se mettre direct à 180. On va faire par palier de 60. On applique. Est-ce que là, déjà, il y a une différence? Ok. Alors, honnêtement, j'essaie de bien me concentrer pour donner un avis objectif. Il y a une très légère différence, mais c'est vraiment très léger, quoi. Ça reste fluide, ça reste totalement jouable. Il n'y a aucune galère avec ça. Après, j'ai peur que ce soit psychologique parce que là, je sais que j'ai moins d'FPS. Mais est-ce que si je le savais pas, j'aurais ressenti aussi? Ok, bam, bam, bam. Là, t'arrives comme ça. Edit. Hop, 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 hop. Bon. Pourquoi chaque fois que je vais faire le mec, je me fais calmer, sérieux? Là maintenant pour les FPS PC c'est terminé. On va directement passer à 120. Donc là c'est comme les next gen. Là par contre c'est quand même beaucoup moins fluide. Alors c'est vrai, ça reste jouable les gars. Je suis pas en train de dire que c'est impossible etc. Juste je ressens que c'est un petit peu moins agréable on va dire. C'est quand même deux fois moins d'FPS que mon écran. C'est à dire que je joue en 240, là c'est 120. C'est la moitié. C'est assez perturbant mais je pense que si je joue une heure dessus je pourrais m'habituer. Moi ce que je vous propose c'est de faire une game complète à 120 FPS en arène. Au moins on pourra se faire un vrai avis. Mais c'est pas possible, y'a plus d'arène ou quoi? Favori. Quoi? Attends, je te jure, je trouve pas l'arène là. Hiro, ça a disparu. Mais... attends, ça doit être tout en haut. Ah, ok, c'est bon. Horrible ce menu. Ça y est, c'est bon, on est dans le bus de combat. Alors là, les gars, regardez bien. Vous savez très bien, on va, c'est sûr. Direction la ville des ZZ, Grazy Groove, c'est mon coup de cœur de la saison. On est obligé d'y aller. Mais là, tu me racontes un peu ta vie, mon ref. Au niveau de la conteste, il y a un petit mec qui est là. Et je crois que c'est tout. Attends, il va où? Oh, il va à mon coffre. Je 50-50. Elle a moi. Allez, tu... non. Non. Non, mon aim. Non, mon aim! Oh, le monteur, il va me vanner, j'ai trop fait le mec! Alors, toi, par contre, je vais pas te lâcher, je te le dis. Viens ici, je t'ai dit, viens ici! Viens ici! Je lui couper la route, hein! Non! Non, mais j'ai raté ma balle! Comment c'est possible? Et il se barre! Non, mais la honte! C'est trop la honte! Les gars, pour ma défense, j'ai 120 FPS et tout, c'est trop dur! Oh, j'abuse. En vrai, là, pour l'instant, je ressens un petit peu de latence, mais ça va encore, je m'attendais à pire. Cette invention, elle est géniale! C'est génial! Bon, bon, on va loot tranquillement en direction le meilleur bat, c'est-à-dire celui-ci. Est-ce qu'on va être récompensé en termes de splash? Ok, ça me plaît. Eh bah, on est très bien. Par contre, je sais pas vous, mais des fois, quand on est trop content, je suis pas content, mais quand il y a personne, je suis pas content non plus. Genre là, j'ai la flemme d'aller loot tous les bats et tout, juste envie de me battre. Oh, vous l'avez vu? C'était sûr qu'il allait revenir. Alors là, je vais te camper, je te le dis. Regardez, il est là-bas. Coucou. Ah, allez, tu sors. Quel malade à revenir quand même. Vous savez quoi? On va se taper une grosse juste pour 1 HP. Parfait. En termes de stuff, on est bien construit pareil. On va prendre une petite voiture, on va se barrer. Le temps de trouver quelqu'un, je peux vous parler un petit peu de mon Discord. Faut savoir qu'on l'a totalement refait il y a quelques jours avec Asnor. On a d'ailleurs débanni tout le monde. Je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à le rejoindre. Ça vous permettra par exemple de participer aux prochaines vidéos, participer également à des tournois qu'on va organiser, faire votre publicité dans un salon, parler avec la communauté. Bref, il y a plein de choses à faire. Je vous attends dessus. Mais là, ce que j'attends le plus, c'est des ennemis. Oh là, c'est sûr. Regardez le fight de fou furieux. Oh, je suis survolé. Moins 60. Moins 60 encore. Alors toi, j'ai te spam, je te le dis. Voilà, tu sors, hein. Alors là, qu'est-ce qui me donne de bon? Ce pompe-là, je vais pas le prendre parce que j'ai pas d'aim. Bah en fait, je vais rien lui prendre, hein. Timer pour les maths quand même. On va reprendre la voiture. On est déjà plus que 24 dans la game, ça diminue tellement. Là, on est bord de zone extérieure. Non, mais je me suis bloqué. C'est le blague. Mais ça arrive qu'à moi. Comment j'ai pu me bloquer là-dedans? Oh là 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 là. C'est bon. On va mettre un ping ici. On va aller en plein centre. Oh, le petit pad. Il y a l'air d'avoir du monde par là. Ok, alors vous.
Merde, y'a personne. Bon bah merci pour la marque 7 en violet. Ah mais ils sont là-bas, regardez. Oh oh oh. Ah, m'a fait peur. Viens ici toi. 120 FPS ou pas, je vais te démarrer, je te le dis. Ok, calme-toi, t'es chaud. Petite pause juste pour te rappeler de t'abonner si jamais t'es en train d'apprécier la vidéo. C'est le meilleur moyen pour soutenir mon travail. Et c'est gratuit pour toi, donc c'est parfait. Merci. Ok, t'es crack. Là, j'ai bien joué pour le coup. Eh ouais, t'as plus de mur blindé, mon gars. Viens ici, je t'ai dit. Eh, mais tu m'emmerdes, hein. Je te jure, tu me fais chier. Mais Ro, t'es insupportable. 23. Ok, alors là, t'es bloqué, je te le dis. Quoi? Voilà, tu dégages. Y'a pas à s'accrocher autant à la vie. Au bout d'un moment, accepte ton destin, mon gars. On va prendre sa petite PM. Oh là là, la marque, c'est en or. Ah oui, mais toi, toi aussi, t'es un fou furieux, en fait. Oh, il s'est cassé les genoux. Allez, hop, on se heal, parfait. Pour l'instant, honnêtement, les FPS, j'ai l'impression de bien gérer, hein. 22. Coucou. Ah, mais 40 blancs. Bon, bref, au bout d'un moment, on meurt, en fait. Ok, splash. Splash. Bloqué, fenêtre. Je rate ma balle, non. Ah. Oh là, tu sors. Oh, il m'a fait peur celui-là. Attends, mais ça arrive encore. En 37. 53 blancs. Oh, alors toi, t'as un HP, je viens de le chiton. Et tu sors, bah oui. Mais toi, mais où tu m'as gros, frère? Je suis trop fort là, je comprends pas. Les gars, je vais tout le temps bloquer mes fesses, ça s'en va en fait. Bon, eh bien on a 6 kills pour l'instant. On va se mettre un petit ping, voilà, on a 240 mètres. Ça va, tranquille. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours sur la vidéo cercle qui est sortie. Alors honnêtement, c'est pas la vidéo la plus vue de ma chaîne ou quoi, c'est même celle qui a le moins bien marché récemment. Mais j'ai tellement kiffé l'affaire, je suis tellement fier du rendu final. En plus de ça, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs, etc. Donc merci beaucoup pour tous vos retours. Encore une fois, je fais pas les vidéos pour les vues. C'est là par exemple, c'est la moins vue, mais c'est celle que je kiffe le plus. C'est assez bizarre. Je pense que dans le futur, je vais plus m'orienter vers ça, c'est-à-dire des gros concepts avec des grosses maps créatives. Certaines vous plairont, d'autres peut-être pas. Là par exemple, pour que vous compreniez un petit peu, c'était totalement une grosse perte financière pour moi. La vidéo m'a rapporté 200€ et elle m'a coûté un peu plus de 2000. Mais bon, c'est pas grave, j'ai kiffé, vous avez kiffé, c'est le principal. Il y avait un mec ici par contre, regardez, il est là-bas. Ok, il va sortir. On va être plus smart, on va le choper par le haut. En 71, il m'a touché aussi. Attends, mais c'est en train de backstab là vraiment? Ok, chill mon gars, chill. Il a l'air vachement chaud le mec là-haut. Ok, je me barre, c'est mort. Ah, regardez, je le vois là. Alors toi? Oh là, je me venge. D'où tu me pushes comme ça? T'es un malade. Ouais, je fais le mec après m'être barré. Et alors? Attends, mais ça tryhard là. On va essayer d'aller discrètement par ici avant un mec. J'aimerais bien le fight. Oh, oh, il est là. Mais t'es un malade. Il m'a fait trop peur, les gars. Oh, oh, il passe à travers. Non. Les gars, j'ai trop le seum. Eh, vous savez quoi, on repart en game, mais cette fois-ci avec 100 FPS. 20 moins, quoi. Ok, on est retour dans le pré-lobby. Regardez bien, j'ai 100 FPS pile. En vrai, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est satisfaisant. Bon, grésé quand même assez loin du bus. Je pense qu'on va se faire un petit drop à Kone Crossroad. C'est la ville de Yo-Yo. Je te fais confiance, Yo-Yo. T'as pas intérêt à me décevoir. Ok, lui, l'alarme, c'est mort. Je vais pas aller le chal. Ici, ça me semble bien. Vraiment, je suis en full découverte là. Je vais farm un peu. Il y a l'air d'avoir tellement de monde. Je prends un sel blanc. Tu dégages. Merci pour les splash. Ici, il y a aussi du monde. Oh là 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 là. Attends, mais j'enchaîne. Sortez de là s'il vous plaît, merci. Il y a encore du monde là-bas. Cyber Yo-Yo pour le spawn. Dégage. Ouf, j'ai eu chaud. On va recharger tout ça. Au niveau de mon stuff pour l'instant, je suis bien. Les construits, ça va. On va essayer d'enchaîner. Là par exemple, j'ai l'impression que ça a changé ma 106 FPS. Vu que ça affiche moins d'image, bah c'est un peu plus long on va dire. Je commence enfin à être perturbé. Oh, par contre j'ai pas d'aim avec ce pompe. Alors toi, allez dégage. Va voir lobby si j'y suis, c'est pas possible. Je pense qu'on va faire ça. Voilà, là on est bien. Oh, il y a un ennemi. Oh, mais il y a même deux ennemis. Oh, c'est Spider-Man, c'est le vrai. Hop, un de plus au lobby. Qu'est-ce qu'il fait lui? Wouah. Alex boxe de yo-yo, mais non. T'as boxé yo-yo toi mon frère? Ouais, c'est pas dur vu son niveau. Non, je peux pas dire ça, il m'a donné un bon spawn. 7 kills, non mais j'en reviens pas. Normalement quand je joue en FPS illimité, je galère. Là je joue à 100 FPS et j'ai 7 kills en 27 remain. Je vais commencer à mal le prendre là en fait. On va profiter de ce petit moment de blanc pour répondre à la première question. Tu es de quelle origine? Alors moi j'ai aucun problème à parler de ça. Comme vous le savez, je suis belge, mais il y en a qui pensent peut-être que je sais pas, je suis peut-être belge et un autre pays. Non, moi je suis 100% belge, mes parents sont belges, je suis belge. Ça c'est pour ma nationalité. Je sais pas pourquoi c'est une question qui vous intrigue autant parce que j'en ai eu plein des comme ça. Au moins
vous le savez. La deuxième, c'est comment je me sens dans ma vie professionnelle et privée en ce moment. Honnêtement, au top du top. Que ce soit les deux, après, en général, je lis les deux. Parce que vraiment, je vous le dis, ma vie perso, on va dire, c'est quand même pas mal axé autour de YouTube. YouTube, c'est 99% de ma vie. J'aime trop ce que je fais. Je suis vraiment focus là-dessus. Il y a pas une minute en vrai dans la journée où je pense pas à une vidéo, je pense pas à quand je vais tourner, etc. Enfin bref, c'est devenu mon métier, mais c'est aussi ma passion de base. Et pour l'instant, tout se passe bien. Je kiffe ce que je fais. Les stats sont bonnes. En vrai, il y a aucune raison que ça se passe mal là. En tout cas, merci pour l'intérêt porté à ma santé mentale, on va dire. Là, le seul truc qui pourrait me faire plaisir, c'est trouver un ennemi. J'ai envie de me battre. J'ai envie de voir si c'était un coup de chance ou non. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là 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 là, il m'a fait trop peur les gars. Il est passé dans ma box. Oh, c'est quoi ça? Pourquoi il y a une fraise? Bon là, on peut la prendre. Long bail. Bouclé déjà plein. Jure, c'est du shield. Mais non, incroyable. Bon, je vais pas la prendre parce qu'à tout moment ça donne que 5 comme les champis. Mais honnêtement, ça a l'air pas mal. On va tester un solo build. Ok, là par exemple, j'ai ressenti la difficulté au niveau de la triple edit. Ça reste jouable bien évidemment. Et surtout, ça me rappelle une sensation d'antan. Moi j'ai commencé sur PC il y a, je sais pas, 2 ans et demi, 3 ans, un truc comme ça. Et j'avais un PC de merde parce que j'avais pas beaucoup d'argent. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. On commence la plupart du temps sur un PC pas très cher, etc. Et donc j'étais limité vers les 90-100 FPS à peine. J'ai vraiment l'impression de revenir en arrière. C'est assez bizarre comme sensation. Il y a du monde ici. Comment ça? Vous m'attendez pas là? Vous êtes sérieux? Oh, ok, ok, vous m'attendez, c'est bon. La balade, moins 13. Attends, mais il met des patates. Oh, oh. Mais comment ça, je mets moins 29? Oh là, tu sors, Omar. Ouf, j'ai vraiment eu chaud là pour le coup. Ça m'a permis de valider mon 9e kill. Cette vidéo, ça fait longtemps que je veux la faire parce que j'ai déjà testé de jouer à 60, à 30 FPS, etc. J'avais fait pas mal de vidéos là-dessus notamment. Mais je voulais absolument faire cette vidéo parce que là, en gros, on va vraiment tester en profondeur tous les types d'FPS et je pourrais vous donner mon ressenti à chaque fois. Est-ce que ça change? Est-ce que c'est dur? Me rendre compte également de la difficulté que les consoles ont par exemple. Bref, c'est une vidéo que j'attendais de faire depuis longtemps. Ok, on va prendre la faille. Oh, non mais... c'est une blague. On reprend la faille. Ma plus grande difficulté sur Fortnite, c'est de trouver des ennemis quand je suis comme ça en faille ou en planeur. J'ai pas une bonne vision, alors c'est sûr je rate des trucs genre. Eh super, encore une fois j'atterris sans avoir trouvé personne. Oh, j'ai vu le mec, regardez, il est parti où? Allez. Oh là là, je les craque. 80. Oh non mais c'est une blague. Parfait, c'est tellement fort les murs blindés. Vous savez quoi, on va aggro, on va claquer le pad. Il y a un mec sur le toit là. Ah non, non mais non, mais pourquoi moi? Oh là là, mais il va me spammer comme ça longtemps lui. C'est quoi, on va aller le BF hein. 41. Ok, on se calme. Non! Bon, et eh bien malheureusement, pas de top 1 100 FPS, pas de top 1 100 FPS non plus. Là maintenant, les gars, je vous le dis, on passe sur un 1v5 contre des randoms à 60 FPS. Voilà. Non, mais je vous l'ai dit, on va tout tester. Ok, pour ce deuxième test, on va le faire à 60 FPS en réalistique. Les gars, écoutez-moi bien, tous ceux devant moi, j'ai beau avoir 6 fois moins d'FPS que d'habitude, je vais vous démarrer. Pour l'instant, en vrai de vrai, je ressens pas trop de latence, ça va? Je m'attendais à pire. Ah, en construisant. Ah, ok. Là, je sens que c'est compliqué. Voilà, 88. Comment ça, tu touches à mon pote, toi? 94, mais calmez-vous. Oh, je vais chitonne. Non, ma caisse, mon kill. Oh là là, je les chitonne, ça sort. Imaginez, j'arrive à clutch. Oh. Ok, je l'ai bien box. Non, là, c'est trop compliqué. En vrai, ça me perturbe beaucoup, ce niveau de lame. Bon, m'a été mort. Non, il me laisse tout seul. Mais les gars, vous abusez aussi. Oh, oh, le laser. Oh là là, ce qu'il a pris. J'ai l'impression que moins j'ai des FPS, plus je suis fort. Après, c'est peut-être parce que je me concentre un peu plus. Oh non, il a un HP mort. Comment j'ai survécu? On va dire que c'est le talent. Vraiment, les consoles, grosse force à vous. Je me souvenais pas que c'était si galère quand je jouais sur PS4. Oh là, tu sors. Eh, no joke, il y a moins de clutch. Non, dommage. No joke, il y a moins de clutch. Deuxième tentative cette fois-ci en solo réalistique, toujours à 60 FPS. J'ai un excellent stuff. Oh non, j'ai pas d'excuse du coup. Oh, c'est con ça. Je prends la hauteur, c'est bon, je l'ai. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, box, non. 71. Belle balle. Où est-ce qu'il est? Il est caché là-dedans, c'est mes murs hein. Hein? Il est où? Non. Non, c'est de la triche, j'ai campé. Non, je suis... non. 1-0 pour lui. Cette map, je la kiffe. J'ai la hauteur. Alors toi, je te le dis, je le spam. C'est mort, je vais pas perdre. Oh, l'enflure. Oh, il veut me chitonne en fait. Respectez-moi un minimum. Non. Non, j'ai raté ma balle.
était mort, mon gars. 1-1. Et il a quitté. Bon, eh bien, c'est une victoire par forfait. 60 FPS, on s'en est plutôt bien sorti. Maintenant, on passe au moment tant attendu, la fameuse surprise. Ok, les gars, le moment tant attendu de la vidéo, regardez, il est devant moi. Là, vous voyez pas encore c'est qui, mais je vous jure, vous allez être surpris. Il y a absolument personne qui a deviné, c'est impossible. Surprise, je te laisse venir devant moi. Regardez comme il court là. Oui. Oh, le gros rat. Wesh, l'équipe. Et ouais, les gars, c'est Gio, le monteur, celui qui me vanne tout le temps. Il est enfin là. Vous l'avez souvent demandé sur la chaîne en mode ouais, c'est comme tu fais une vidéo avec le monteur, etc. Là, je vais l'affronter sur une course d'édite. Sauf que lui, il aura tous ses FPS. Moi, je serai bridé à 30. Bon, alors, on va tester comme un switch. On va voir ce que ça donne. Est-ce que t'es confiant? Bien sûr, frère, je vais te déglinguer. Écoute, je vais t'humilier, c'est bon. Là, je te le dis, j'ai la haine. Je me suis mis à 30 FPS. Oh là, tu mens, frère. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Écoute, je vais me venger de tous les mèmes que t'as fait pour me vanner et tout. T'es mort. Allez, viens ici. Moi, je vais me venger de tous les abonnés qui croient pas en moi. Ah ouais, c'est vrai, les abonnés dans la vidéo du cerf, quand t'es mort en premier, ils t'ont vanné, hein. Non, franchement, les abonnés, c'est des bâtards. GG, les ZZ, GG. Comment ça, GG? Ah, bah, bien joué, ils t'ont vanné. Mais frère, juste pour te dire, même sur Twitter, ils sont venus me vanner. Ah, les gars, hey, quand c'est pour vanner Gio, vous avez carte blanche. Vous pouvez le faire autant que vous voulez. Ça sera coupé au montage, ça. Le rat, est-ce que t'es prêt? Je suis chaud, patate. J'ai 30 FPS, ça va être trop chaud. Oh là 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 là. Là, je te le dis, j'ai pas le droit à l'erreur. En fait, si je rate une édite, c'est simple, je te rattraperai plus. De toute façon, tu vas rater une édite. Là, pour l'instant, c'est assez easy. Mais je pense sincèrement que même avec tes FPS illimités, frère, je te déglingue. Mais oh là 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 là. Eh, hey, 20 000 likes, les gars, je fais une vidéo 1v1 contre lui sur ma chaîne secondaire. Non. Comment, j'espère que ton jeu il s'accade bien, mon ref. Ah ouais, mais ça lag, c'est horrible, les Switch, comment vous faites? Je vais t'attendre. Ah, eh, commence pas à me troller, toi, je te le dis. Je suis loin devant. Non, je suis sûr que tu trolls. De toute façon, les abonnés ils le voient bien, hein. Et je suis trop fluide, c'est la première fois que je suis aussi fluide. Héro, mais eh, hop, hop. 6. Eh, mais commence pas à faire le mec, je te le dis par contre. Les gars, s'il y a 10 pouces bleus sur cette vidéo, je réduis son salaire de 2. Non, non, regarde, moi tu m'as envoyé un message, tu m'as dit Joe, je te défie, si jamais tu gagnes, je double ton salaire du mois. Non, j'ai jamais dit ça. Regarde, le moteur, mets un screen maintenant. Ah, il va inventer. L'écoutez pas. Oh bon. Oh, je te vois pas, mon ref. Tu me rattrapes, t'as dit? Non, tu crois, je te vois pas là à ma droite. De quoi? Oh là, je suis vraiment chaud là pour le coup. T'es chaud? Ouais, bam bam, ça fait. Putain, j'allais faire le mec. Mais. Oh, je vais encore finir sur TikTok. Mais... Non mais là les gars, hey, je l'avoue là, Martial, je pense qu'il me bat. Non, pauvre Martial, arrête avec Martial. Comment ça arrête avec Martial? T'aimes pas les balles que je lui mets? Oh frère, à chaque fois je suis là, je dois mettre des bruitages de balles perdues. Ah ouais, genre comme ça, en mode ouais, Martial c'est un gros bot. Je sais pas toi, mais j'ai vraiment du mal, c'est avec les edits de mur après avoir reset, genre. Bah moi j'ai du mal avec tout. Bah ouais, c'est vrai, toi t'es fait pour être monteur, par joueur pro, hein, c'est ton niveau. C'est comme tu seras gentil avec moi. Ah c'est les abonnés, en fait, ils ont dit en fait tu me vannes tellement que je suis obligé de te vanner, tu vois, donc on pourra jamais bien s'entendre parce que t'aimes trop me vanner. Attends, mais t'es déjà sur la ligne droite là? Oh bah oui, il est de loin. Oh non, je te déteste. Ah, t'es tellement nul que je vais t'attendre. Non mais... Oh là là, je galère tellement avec les murs. Mais je vous jure, 30 FPS. Eh, hey, les joueurs Switch, je vous admire, c'est bon, je suis fan de vous. Oh là là. Oh le chien. Eh, la win. Non. Non. Mon rêve. Je te déteste. Je suis en train de spam ma molette. Let's go. Oh, le seum. Bah, c'est simple, cette vidéo ne sortira jamais. Si, si, j'ai les rushs. Non, non. Bah, j'ai ma POV, elle sortira qu'avec ma POV. Bref, GG Gio quand même, t'as bien joué. Let's go. Eh, hey, vous avez intérêt à me soutenir dans les commentaires, hein. Non, 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 vannez-le, vannez-le. Non. Moi là, je m'attaque au plus dur. 10 FPS et un seul. On va enfin répondre au mystère de cette vidéo. Vas-y, bonne chance et à la prochaine, ciao. Let's go. Mesdames et messieurs, test suivant. Là, comme vous pouvez le voir, je suis à 10 FPS. Oh là là, j'ai jamais été si bas, c'est simple. J'ai déjà testé à 30 et tout, mais jamais à 10. Est-ce que c'est jouable? Vous êtes prêts, on va bouger. 3, 2, 1. Oh là là, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Ça lag tellement. Eh, j'ai envie de construire. Ah, mes yeux, mais je vous jure, c'est dangereux pour la vision. Faites gaffe, les gars. Je vous le dis, je suis à deux doigts de vomir là. On est d'accord, il y a personne qui joue à 10 FPS, hein. C'est techniquement impossible. Ou alors peut-être les Switch en fin de zone. Bref, je voulais juste voir un petit peu ce que ça donne. Là, on va répondre à l'énigme de la vidéo, à savoir est-ce que c'est faisable de jouer en FPS? Vu ça, j'ai ma réponse. Bon, on va quand même tester pour le fun. Ça y est, nous y sommes. Regardez, j'ai bel et bien 1 FPS, pas un de plus. C'est simple, je les ai réglés à 1. Par contre, on va aller charger une map si mon perso veut bien avancer. Mais attends, mais quoi? Mais regardez les. Mais c'est quoi ce bordel? Oh, mais ça bug tellement, mais je peux même pas bouger. En plus de ça, regardez, j'ai 963 de ping. Ça me fait penser à un truc. Regardez bien, au fur et à mesure de la vidéo, j'ai l'impression que moins j'ai d'FPS, plus mon ping avance. Ça voudrait dire que potentiellement, le ping et les FPS seraient liés. Alors soit c'est le cas, soit c'est du pur hasard, je sais pas. Mais là, je peux même pas aller chercher de map, mon perso ne veut pas avancer. Travis, frère, bouge-toi. Mais non, mais c'est grave. Même mon frigo dans ma cuisine a plus de FPS. Oh là là, mais ça bug tellement, j'ai les yeux qui commencent à brûler. À la base, je me suis dit, ouais, on va essayer de faire du solo build, pourquoi pas. Même des triple edits et tout. Là, la première étape, c'est de se déplacer. Bon. Vas-y, hey, c'est bon, j'abandonne, c'est fini là-dessus. Là, je suis même pas de mauvaise foi, vous avez très bien vu, c'est impossible de faire plus. J'ai mis l'autorun, il fait du surplace, Travis. On dirait qu'il est sur un tapis de course, le frérot. On va retourner au lobby. Ok, même le lobby bug tellement. Quittez le mode créatif, quittez. Bon, bah, ça y est, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, perso, j'ai bien kiffé, ça m'a permis de me rendre compte à quel point c'est difficile chaque plateforme. On joue tous dans les mêmes lobbies, mais pas avec les mêmes performances. Et donc là, je sais que maintenant, par exemple, sur Switch, c'est très compliqué. Sur micro, on dossier à 1 FPS. Bref, c'était sympa à faire, mais je le ferai plus. Je suis bien content, perso, d'avoir mes 360 FPS. N'oubliez pas le petit pouce bleu et je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao.